Pour la deuxième année consécutive, le vide-grenier et la bourse du premier âge, organisée par l'OMC, ont attiré beaucoup de monde à Romba. En effet, jeudi matin, 110 exposants avaient investi le Fonds Saint-Martin pour présenter au public tout un tas de choses à prix défiant toute concurrence. Tableaux, vaisselle, vêtements, poussettes, peluches, postes radio et bien d'autres, un choix divers et varié qui a ravi les chineurs et les passionnés de brocante. De 8h à 13h, le public a donc déambulé de stand en stand pour trouver la perle rare. Le long du Fonds Saint-Martin, les visiteurs venaient découvrir tous ces objets de souvenirs. Certains chinaient, regardaient, d'autres négociaient, achetaient et d'autres se baladaient et profitaient de cette promenade pour assouvir leur curiosité. Un peu plus loin, les gourmands pouvaient se retrouver au snack ou à la buvette pour se restaurer et surtout pour prolonger ce moment de détente. Ce vide-grenier a été encore une fois un succès. Rendez-vous donc l'année prochaine à la même époque pour une troisième édition et sous le soleil bien sûr.